Kembe la paix s'en prend responsabilité, c'est titre yon rapport plusieurs étudiants section juridique université américaine Yale présenté journée samedi à Port-au-Prince sous origine épidémie choléra en Haïti pour montrer yon l'autre fois encore c'est mission Nations Unies qui responsable catastrophe ça. Rapport ça qui publié depuis commencement mois d'août passé, dit à clair ces soldats népalais ministères qui à la base propagation épidémie en pays selon son Oliver Friedland, yon parmi étudiants yo. Li précisé des marches ça permet yo établir responsabilité juridique Nations Unies dans situation an, à partir d'une série instruments juridiques qui bail l'état haïtien possibilité pour poursuivre organisation mondiale là comme ça doit pour faire des dommages victimes choléra yo ak famille yo. Son Oliver Friedland te répond question journaliste sur rapport ça. Parmi yo Robinson Henry qui ensemble avec cameraman nou Reginald Jean-Louis te assisté conférence pour la presse étudiant yo te bay nan yon valou restaurant. Yon étudiant d'origine haïtienne qui fait partie délégation an, Canel Trouyo, te joué rôle interprète. The difference between our report and previous reports is twofold. One is that we summarize and synthesize the scientific consensus that other public health researchers have developed over the last few years. That the UN is indeed responsible for cholera in Haiti. When we began... Sorry. Do you wanna... Donc, la plupart des rapports qui ont été écrits, c'était des rapports scientifiques, par les scientifiques qui sont venus faire la recherche en Haïti sur l'origine de l'épidémie. When we began our research, this was particularly important because the United Nations was and still is stating in public statements that the causation of the cholera epidemic is unknown or ambiguous. Donc, c'était important d'établir ce fait parce que l'ONU disait à la communauté internationale que l'origine de l'épidémie n'avait pas encore été établie. Donc, nous, on voulait établir ce fait premièrement avant de parler de la responsabilité juridique. And the other part of the report deals with the legal responsibilities of the United Nations and their responsibility under international law to compensate victims, to stop the ongoing epidemic and make sure that something like this does not happen again. Et la deuxième partie du rapport parle de la responsabilité juridique des Nations Unies envers Haïti et le peuple haïtien, les victimes de l'épidémie de choléra. Et cette deuxième partie du rapport, c'est le premier et jusqu'à présent le seul rapport qui traite de la responsabilité de l'ONU sous le droit international et le contrat entre la MINUSTAH et le gouvernement haïtien. So this report is new in that it synthesizes the legal responsibilities of the United Nations as well as the public health causation. Donc ce rapport combine la partie scientifique, le fait scientifique de l'origine, avec la responsabilité juridique de l'ONU envers le peuple haïtien.